Le roi est mort le mois passé. On va l'enterrer ce soir. Mais avant de l'enterrer, Elessine doit mourir pour l'accompagner au paradis. Je dois signaler qu'il m'a été rapporté qu'un chef éminent, à savoir Elessine Oba, va commettre la mort ce soir conformément à la coutume indigène. C'est ce chef avec qui je me suis disputé il y a 3 ou 4 ans. Je voulais envoyer son fils à l'école de médecine en Angleterre, tu te souviens? Un garçon très intelligent. Le fils de l'écuyer, je crois bien. Pourquoi vous êtes là? Je suis donc venu enterrer mon père. Mon esprit est enfin prêt à devenir le messager du roi. Puisqu'il s'agit d'une infraction criminelle, j'attends de nouvelles instructions et un officier de charge. Dis-moi qui est cette déesse que je vois là-bas. Elle est déjà fiancée. Et le mariage est pour bientôt. Pilkings, quoi que vous fassiez, ne laissez pas les choses déraper. Je ne veux rien faire de mal. En tout cas, une chose qui pourrait mettre en danger le bien-être de mon peuple. Mais veille à ce que la semence que tu plantes ne soit pas une malédiction pour notre communauté. Ne me touche pas! Nous ne voulons pas de troubles ici. J'ai dit... Laissez-moi tranquille! Alors, juste pour empêcher une mort... Tu n'es qu'un sauvage comme les autres. Elessine Oba!